la montagne des Archers. Et vous verrez que la montagne des Archers elle a son importance dans la bataille de Ohrid. Vous verrez que tout ce qui se fait en haut là, les gens les ont pris. Les gens ils y prennent des photos souvenirs. Les gens ils cherchent une quelconque baraka. Hein, bon. Tout ça c'est tout sauf aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça on l'expliquera inchallah. Donc devant vous, la montagne de Ohrid. Sur votre gauche, la montagne des Archers. Donc là on va s'arrêter tous ensemble. Et on va se retrouver devant la mosquée que vous voyez là. Il y aura le frère Hakim qui va se charger de nous faire un bref rappel religieux concernant la bataille de Ohrid. Et vous verrez qu'il y a un moment crucial dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, ce sera le fait de se rendre devant les shuhada. Parce que le but de la visite, c'est de rendre visite justement aux plus grands martyrs de l'islam. Donc avant ça, on va s'arrêter. On va rappeler brièvement ce qui s'est passé à Ohrid. Et ensuite, on ira devant les martyrs. Et après, la dernière étape, ce sera le fait de s'arrêter dans une petite panneur, Inch'Allah. Donc, barakallah fikoum à tous. Dans une bijouterie. Par contre, leur or, il est vraiment jaune. Il est jaune de ce jaune. Voilà la bijouterie. Là. Ouais, moi je vais acheter une là-bas. Là. Toutes sortes de dates. Voilà, les dates. Ah, c'est les dates aux amandes. Les dates, c'est pas mal par contre. T'as les dates noires aussi. Celle. Ah, c'est les dates noires. Ma copine, c'est ça qu'il avait ramené. Mais là, vous avez des bonbons halal. Hein. Tous les bonbons sont halal. Là, vous avez toutes sortes de dates. Les dates que vous voulez rechercher, ben, ils sont là. Nous, on cherche des dates de Médine. Voilà. Il y a plein de djinns là-bas, ici. Hein? Adi? Elle est pas mal, Adi. Vedi qui m'a Adi? Attendez. Simple. Merci. Attends, maman. Prendre un magasin, ici. Voilà, là vous avez plein de robes du Jileba. Bedayet. Voilà, nous avons un McDonald's. Tout est halal, c'est ce qui est bien ici. Là, nous avons un KFC tout au fond. Leur McDonald's, c'est des petits McDonald's comme ça, juste au comptoir. Quoi. Pareil pour les KFC, c'est juste au comptoir. C'est pas les trucs où on peut manger dedans. Quoi. C'est au comptoir, les Pizza Hut et compagnie. C'est au comptoir qu'on achète. Regardez comment ils sont forts. 5 litres d'eau sur la tête. C'est l'heure de la prière. Bon, là, on est dans les menus. Qu'est-ce qu'il y a? Là, nous avons du riz. Là, nous avons... C'est quoi, ça?
La soupe, la soupe. Tout est halal, hein. Bah, c'est logique. Ah, ça a de la viande. Et ça, maraconi, mara, pâte à la viande hachée. Voilà. Et ça, nous avons du poisson. Et ça, c'est quoi? Kawashi. Je sais pas. Ça, la viande hachée, je pense. Et là, nous avons. Pardon. Des légumes avec des pommes de terre et de la viande. Ça, poisson, viande. Après, c'est tout ce qui est salade. Salade, crudité, olive, carotte, bah, tout ce qui est salade, quoi. Voilà. Ah là, nous avons du jus. Même Eddie Chouchi. Ah, ils ont fait un couscous. Un couscous au riz. Attendez. Un couscous au riz. Première fois, je vois ça. Couscous au riz. Couscous et gâteau. Leurs gâteaux, franchement, ils sont très très bons parce qu'ils ne sont pas sucrés. Ils ont des beaux gâteaux pas sucrés. Et des fruits. Ah, il y a des poires, ça donne. Des poires, des pêches. Des kiwis. Nous avons le pain. Moi, ce que j'aime bien, c'est ce pain-là. Voilà, le pain. Tout ce qui est pain. Leur pain, il est très bon aussi. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Bon, moi, j'ai pris un peu de riz couscous au riz. Hein. Première fois, j'ai pris pommes de terre, viande. En tout cas, la viande, elle est bien cuite. Ça, je sais pas ce que c'est, de la viande hachée, un morceau de viande, voilà. Du pain, pareil, du jus d'orange. Bon, ma soeur, elle mange rien comme d'hab. Bon, moi je goûte à tout, hein, je vous le dis, hein. Moi je goûte tous les gâteaux qu'il y a. Il y a celui-là, il a l'air bon aux noisettes, on va goûter ensemble. Là, c'est noisettes, chocolat, on va goûter, je vous dis. Leurs gâteaux, ils sont bons parce qu'ils sont pas sucrés. Franchement, on va goûter celui-là. Celui-là, il est bon. Pour l'instant, je préfère celui-là. On va goûter celui-là. Il est bon. On va goûter celui au citron. Citron noisette, je sais pas quoi. Il est bon. Et ah, il est bon celui-là. Et on va goûter celui aux dattes. J'aime pas trop les dattes, mais on va goûter. Après, coulé déjà. Il est bon. Moi, je mange tout ça tranquille et je reviens vers vous. Non, ils sont pas sucrés. Hein. Une poire, une prune, et à côté un cappuccino. Regardez les persènes là. Ça marche toute la nuit comme ça. C'est une jolie ville, hein. Franchement, si vous avez l'occasion de venir, j'espère que tout le monde aura cette occasion d'y aller un jour. Regardez les persènes là. Ça marche toute la nuit comme ça. C'est une jolie ville, hein. Franchement, si vous avez l'occasion de venir, j'espère que tout le monde aura cette occasion d'y aller un jour.